Mujena ngona ku wabuza hatari wawe bari bampaye kimwe bafasha iyo utwo tunomba gidenye nitwo twanyishe ahona nterurwa nkuru yoya narimbangutse Petit n'abandha petit n'ira yokodia. Donc les plus grands problèmes que les personnes âgées rencontrent quotidiennement sont liés particulièrement à leur vulnérabilité parce que certaines ne sont pas capables de pouvoir continuer à être totalement indépendants. Les personnes âgées, il y en a qui ont, ils ont d'abord le droit de vivre, ils ont le droit de rester en vie aussi longtemps que le bon Dieu ne les a pas encore appelés. Notre objectif, c'est l'assistance des personnes âgées sur 4 accès d'intervention, c'est-à-dire l'assistance matérielle, l'assistance médicale, l'assistance juridique et enfin l'assistance psychosociale. Comme on le dit en Kirundi, inkoni uzo kwishimikiza uri umutama uyica ukiri muto. Donc les jeunes doivent préparer leur retraite encore actifs. Je m'appelle Maître Isidore Ndastililil Frèche. Mon métier, je suis d'abord de formation juriste et je suis avocat conseil. Et je suis président fondateur de la FASPAO. FASPAO qui est famille d'accueil et de soutien aux personnes âgées et aux orphelins. Arambaza ngo 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 wewe ngo bahe inaomba nilivere kugiti nyimarango ni yanga ni ndazunguruka ngahanye ngwaho no kurondera ndijewe ndwaza kuri rya parking y'imodoka iza ko musaga kwa mbere asanga abona mubari asanga niho nicaye ataraza na rero ngaha icyo cyuma nta wakigeramo agize ngo harukizamu haza umukozi anzanira ishanti yo ngo ninjya kandi atarinjya agenda ndaherera ingetera nari nsigaye kuri gufarima umunsi nza ngaha niwo munsi nari kutenduka hanyuma rero nca imanira irahangura je navuye hariya muhira hariho umuntu twari tubanyeho yambwiye yandondera nuko amagiye kundondera rero sentebe iraziransohora ngo je ngona waguze hatari iwawe kandi naraguze miliyoni zine cyane bakamona inzu. Les personnes âgées bénéficient de la part de la FASPAO des prestations diverses. En tant qu'avocat conseiller, J'essaie de défendre les intérêts des personnes âgées devant les cours et tribunaux et différentes juridictions qui s'en occupent. Les personnes âgées sont vulnérables, non pas au niveau matériel, mais au niveau juridique. En tant que défenseur des droits de l'homme, je m'intéresse plus particulièrement à la vulnérabilité des personnes âgées. Cette vulnérabilité vient des stéréotypes que la société dispose par rapport aux personnes âgées et à leur intégration qui est toujours difficile dans nos sociétés africaines. Et d'une certaine manière, leur dépendance par rapport aux autres personnes font que les autres personnes, si elles les abandonnent ou les négligent, ces personnes âgées sont face à des violations de leurs droits, comme les droits fondamentaux de droit à la santé parce que leurs enfants leur refusent des soins de santé. C'est un problème qu'ils doivent vivre avec et ne pouvoir pas accéder à la justice les condamne tout simplement. Les personnes âgées doivent être protégées par une loi générale. Mais il n'y a pas de loi qui protège les personnes âgées. Les personnes âgées, ils sont assurés dans le monde entier d'avoir une vie digne. Mais on ne peut pas être digne sans qu'il y ait une loi qui vous protège, sans qu'il y ait une société qui vous protège. Au Burundi, les personnes âgées, de par nos traditions, il y a une protection sociale. Je ne sais pas si vous avez fait l'intérieur encore. Il y a des maisons, des enclos demi-circulaires, où le père de famille a une maison au centre, et dans tous les coins de l'enclos, il y a des maisons, des enfants. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive, un risque quelconque, une maladie, un accident quelconque, une protection sécuritaire qui appelle la sécurité, tout le monde, toute la famille combat son mal pour l'intérêt de la famille. C'est ça la protection sociale. Or, les enfants, quand ils sont grands, ils vont à l'école. Quand ils finissent l'école, ils vont chercher un emploi ailleurs. Il y en a qui partent, qui se déplacent. Ils quittent leurs parents. Ils quittent les environs des parents au lieu de les aider. Et ces parents, maintenant, ils se laissent pour compte, puisqu'ils sont tous partis. Ils les laissent seuls, des vieilles personnes dans les maisons, sans assistance. S'il n'y a pas d'autre assistance, ils vont mourir. L'assistance psychosociale consiste à l'encadrement socio-culturel, puisque les personnes âgées ont besoin de l'information. C'est pourquoi nous avons affecté au centre un poste télévisé, un poste radio, pour suivre les informations du pays. Nous faisons aussi un encadrement spirituel, c'est-à-dire pour les croyances religieuses, et pour la prière, on organise des prières en semaine pour qu'elles puissent se rattacher à Dieu qui les a créés. Et les dimanches, on amène les gens pour les sacrements qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, nous sommes déplacés dans la commune Vianda où nous assistons les personnes âgées à domicile. C'est le cas de cette maman à qui on a assisté à lui octroyer une chaise roulante parce qu'elle avait subi une opération chirurgicale ne lui permettant pas de se déplacer. C'est pourquoi nous lui avons octroyé cette chaise roulante pour qu'elle puisse se déplacer ici pour contrôler ses champs et qu'il tire et pour prendre de l'air et faire des déplacements. Mais ce ne sont pas seulement les personnes âgées hébergées dans le centre FASPAO qui bénéficient de ces prestations. À part cela, nous assistons aussi les personnes âgées, plus âgées, les personnes du troisième âge, vivant dans leurs familles respectives. Son état physique se détériore à cause de la vieillesse. Tu vois que si on analyse son bras, que le sang ne circule plus bien. Donc il a besoin d'une prise en charge permanente en termes médicaux, de soins, surtout en matière d'alimentation équilibrée et adaptée aux personnes âgées. Tu vois même les pieds commence à gonfler. C'est à cause que le sang ne circule pas, n'arrive pas pleinement dans les veines comme d'habitude. Dominique il habite ici, à Ruziwa. Il est né en 1920. Dominique, yagize problème urumva yarasohotse ngaha asohotse agiye kuri Lambeje asatemberayo. Voilà le problème de personnalisation. Tommy. En fait, à cause de la vieillesse, la mobilité diminue. C'est ça la détérioration des capacités physiques. C'est ce qui a causé ces blessures. Tu vois quelqu'un qui vient de faire des soins à domicile. C'est ça que nous voulons qu'il y ait un projet de clinique mobile pour faire des soins à domicile aux personnes âgées à nécessité. Puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer vers l'hôpital, les habitations ne sont pas adaptées pour des... il faut avoir des toilettes à siège et tout près de lui, tout près de la chambre, ou bien à défaut, il fallait avoir quelqu'un, un assistant, qui est tout près de lui, qui peut lui faire ses soins hygiéniques. Et normalement, c'est la solution. Et quand ce n'est pas possible à domicile, voilà la nécessité de le conduire dans un centre d'accueil des personnes âgées. mushikiengana nakumvatana bikoko bamvataneza kwe bamvataneza na wanja wangura no byagucya ngo nibanyima ngo ndibanyima inuze uskombungura nshitengana koko na kibazo kimwe nakuko nakiyangira ko cyane imana irande irambashije yaranguye aho nyene muri ako karanda yerekanyishe aranzana ngaha ntantunga n'ubu arantunze umwandisha niwanyambika amazi noga niwe sabuni noga niwe imbuto nambara niwe sahani ndya niwe amazi nywa niwe byose ndabiteye kuriwe. Construction préliminaire du centre FASPAO. Les femmes que nous avons dans le centre FASPAO à Lohiro, où nous faisons la location, vont venir ici et les autres demandes des personnes âgées pour l'hébergement vont venir ici. Ça, je vous montre, ça, hébergement femme. Et vous savez que pour éviter l'isolement et pour éviter le stress, il y aura 4 lits dans cette chambrette et vous voyez ça sera le sanitaire et ici on va mettre les lits et ici c'est prévu des armoires pour conserver les biens, les habits et comme ça. Et dans chaque chambrette, il y aura aussi, pour les femmes, il y aura une fille qui va loger avec ces 4 femmes pour les assister régulièrement, pour faire des soins. Vous savez que puisqu'il y a des personnes âgées qui sont dans la phase de dépendance, elles ont besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Et ici, cette maison aussi, c'est le même plan, c'est comme celle que nous venons de visiter. Aussi, c'est destiné à l'hébergement des personnes âgées hommes. Et ces personnes âgées hommes vont avoir effectivement des jeunes garçons que nous avons formés pour la prise en charge de ces personnes âgées hommes. Vous voyez, c'est des infrastructures. C'est la même chose de ce que nous préconisons, faire encore des blocs, puisque avec cet espace, nous pouvons, dans un premier temps, accueillir autour de 300 personnes âgées. Et après, pour cet espace encore vierge, qui n'est pas encore exploité, nous comptons construire des bureaux de la FASPAO, où il y aura le chef du centre qui va suivre quotidiennement la gestion du centre. Il y aura aussi le service administratif. Et après le bureau, de l'autre côté, il y aura, tout près de la clôture, il y aura un centre de santé, une unité de soins, où ces personnes âgées vont se faire soigner. Éventuellement, ce ne sont pas les seuls qui vont se faire soigner là-bas et la population environnante va bénéficier des soins dans cette unité de soins que nous allons construire. La prise en charge des personnes âgées, ce n'est pas une tâche facile. Il y a des défis éventuels. Nous rencontrons des défis dans dans cette action humanitaire que nous menons en faveur des personnes âgées. C'est notamment d'abord le manque de moyens pour faire face aux besoins quotidiens de ces personnes âgées, c'est-à-dire les besoins matériels liés à l'hébergement, liés aux soins de santé, liés même à l'alimentation équilibrée qu'elles ont besoin, parce que les personnes âgées ont besoin d'une alimentation spéciale, compte tenu de leur état de vieillesse. C'est le bénévolat qui nous guide, puisque c'est l'action humanitaire, et c'est pourquoi nous avons besoin des aides, des appuis, de tout y viendrait pour soutenir certaines actions humanitaires pour la prise en charge des personnes âgées. Et c'est pour que cette dignité des personnes âgées soit garantie. Les jeunes doivent préparer leur retraite encore actifs. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'ils soient vieux pour qu'ils puissent penser à leur avenir. Il faut qu'ils préparent d'abord des petits projets qui leur permettent de vivre honnêtement, parce qu'ils devraient être conscients que la retraite ne fait pas vivre l'individu. L'individu doit vivre des efforts qu'il a accumulés depuis le jeune âge. Alors, pour les jeunes, ils devaient voir ces législations que nous décrions, qui sont mal fichues, ces législations qui sont insuffisantes, ces législations qui sont absentes pour les personnes âgées d'une façon globale, devaient les concerner et je leur demande de lutter pour qu'il y ait une amélioration pour les prochains jours, pour les vieux jours d'eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes dans cette situation, mais demain ce sera leur tour. Aujourd'hui nous sommes jeunes, vous êtes jeunes aussi, demain vous serez adultes et demain ça sera vous qui vont réclamer ces droits bafoués actuellement des personnes âgées. Et demain, ça sera toute cette jeunesse qui sera vieille. Alors comment, si on ne prépare pas actuellement la prise en charge, comment elles vont se prendre la prise en charge? Ça serait aussi, nous allons former aux gens de préconiser la protection sociale future pour que demain, on ait une population qui va vieillir en bonne santé, en harmonie, en dignité humaine.